Chers téléspectateurs, frères et sœurs de la foi, bonjour et bienvenue à cette célébration où nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. La messe est offerte aux intentions de Madame Linda Jean-Baptiste. Pour comprendre la profondeur de l'amour de Dieu, nous avons besoin de sa lumière. Demandons-lui humblement de nous ouvrir à sa grâce. Seigneur Jésus, extraordinaire présence de Dieu en notre monde, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui veux faire de chacun et chacune de nous les témoins de ton salut, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui sais nous attirer à toi et nous combler de ton amour, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui a donné à ton peuple de participer au mystère pascal, accorde-nous de savoir toujours te rendre grâce pour la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Après son discours à l'Areopage, Paul partit d'Athènes pour se rendre à Corinthe. Un Juif nommé Aquila, originaire des bords de la mer Noire, était récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille. À la suite du décret de l'empereur Claude expulsant tous les Juifs de Rome. Les ayant rencontrés, Paul entra en relation avec eux. Comme ils avaient le même métier, celui de fabricant de tentes, il s'installa chez eux et il y travaillait. Chaque sabbat, Paul prenait la parole à la synagogue et s'efforçait de convaincre à la fois les Juifs et les païens. Quand Silas et Timothée furent arrivés de Macédoine, Paul consacra tout son temps à la parole, attestant aux Juifs que Jésus est le Messie. Devant leur opposition et leurs injures, Paul secoua ses vêtements et leur dit, « Si cela entraîne votre perte, c'est vous qui serez responsable. Moi, je n'ai rien à me reprocher. Désormais, j'irai vers les païens. » Quittant la synagogue, il alla chez un certain Titius Justus, qui adorait le vrai Dieu et dont la maison était tout à côté de la synagogue. Quant au chef de la synagogue, Crispus, il crut au Seigneur avec toute sa maison. Beaucoup de Corinthiens, en écoutant Paul, devenaient croyants et se faisaient baptiser. Parole du Seigneur. Dieu révèle sa victoire à toutes les nations. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu.
acclamez le Seigneur terre entière, sonnez, chantez, jouez. Dieu révèle sa victoire à toutes les nations. Alléluia. Le Seigneur ne vous laisse pas orphelins. Il viendra vers vous et votre cœur connaîtra la joie. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ, selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « D'ici peu, vous ne me verrez plus, et encore un peu après, vous me reverrez. » Alors, certains de ses disciples se dirent entre eux, que signifie ce qu'il nous dit là? D'ici peu, vous ne me verrez plus, et encore un peu après, vous me reverrez. Et c'est toute parole, je m'en vais auprès du Père. Il disait donc, que signifie ce peu de temps? Nous ne savons pas de quoi il parle. Jésus comprit qu'il voulait l'interroger et il leur dit, « Vous discutez entre vous parce que j'ai dit, d'ici peu, vous ne me verrez plus, et encore un peu après, vous me reverrez. Amen, amen, je vous le dis. Vous allez pleurer et vous lamenter, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en joie. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, dans le Christ ressuscité, l'Évangile que nous venons d'entendre nous rapporte un dialogue entre Jésus et ses disciples avant sa passion. Des paroles mystérieuses où il est question d'absence et de présence, de tristesse et de joie, de présent et d'avenir. D'ici peu, vous ne me verrez plus. Et encore un peu après, vous me reverrez, leur dit Jésus. Devant de telles paroles, les disciples se sentent perdus et ne savent plus quoi penser. Ils ont du mal à comprendre. Que signifie ce peu de temps, disent-ils. Jésus les rassure en affirmant, vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en joie. Cette parole s'adresse aux disciples. Elle s'adresse aussi à nous, car nous aussi,
Pour divers motifs, nous avons nos moments de tristesse et de peine. Nous avons tous un jour ressenti le poids de l'absence au moment du départ d'un être cher. Plus cette personne nous est proche, plus le sentiment d'absence et de solitude est grand. Le Seigneur vient de nous parler à travers les textes liturgiques qui nous sont proposés. Comme pour les disciples, il vient nous rassurer, nous redonner force et courage. Avec lui, il ne peut y avoir de tristesse définitive. C'est là le message de Pâques, le joyeux message de la bonne nouvelle. Saint Paul a compris cette réalité et a accepté librement de consacrer tout son temps, tout son cœur, toute sa vie à l'annonce du Christ ressuscité. Il a accepté d'être témoin de la bonne nouvelle au cœur de la société de son temps. Frères et sœurs, par la résurrection de Jésus, nous avons déjà un avant-goût de la joie à venir. Il est notre joie par sa présence à nos côtés dans tout ce que nous avons à vivre. Le Seigneur Jésus a connu la joie d'être aimé du Père et d'aimer le Père. Il vient à nous pour que nous aussi, nous fassions la joie de Dieu en vivant comme lui. Et cette joie qu'il nous donne par l'accueil de son amour et de sa parole, elle est profonde, durable, et personne ne peut nous l'enlever. Au cours de cette Eucharistie, demandons ensemble au Seigneur ce matin qu'il nous envoie son Esprit Saint et qu'il nous aide à découvrir ce qu'il a mis de plus beau en nous, la grâce de sa présence et de son amour. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui, se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle. Et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort. Et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Qui est vraiment saint. Toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection.
faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en un pas au corps sans du Christ, nous sommes rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît, notre évêque, Christian et toutes les personnes qui ont charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs, de nos frères, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, et Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Même esprit, nous vont dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau des dieux, heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau des dieux qui enlève le péché du monde. Que le corps, le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle.
Prions encore le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Fais-nous prendre des forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Amen.